tous et bienvenue pour ce 21e épisode où on commence à faire la guilde des assassins en tant que full magie. On va voir si on réussit en tant que full mage. Et pour la déclencher, il va falloir s'endormir. Concrètement, j'ai combien de poids? Je commence à avoir énormément de poids. Ce serait bien. On dort. On dort 6 heures. On dort et surtout, voilà. On y va. Après, on ira par la ville à côté où on doit aller pour... Dormez bien. Quelle importance. Vous êtes au chaud, au sec et encore en vie. On ne peut pas en dire autant de la vieille Grélode, n'est-ce pas? La moitié de Bordeciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdote qui a tendance à se répandre. Oh, comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique. C'était un beau meurtre. La vieille Bic l'avait bien cherché. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par-dessus le marché. Ah, mais il y a un léger problème. Figurez-vous que le jeune Arétino cherchait la confrérie noire. Il nous cherchait, mes associés et moi. Grélode la Douce était un contrat qui revenait de droit à la confrérie noire. Une exécution que vous nous avez volée. Un meurtre que vous devez nous rembourser. C'est amusant que vous me posiez cette question. Si vous vous retournez, vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... Oh, ce n'est pas très important. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais de qui s'agit-il? Allez. Voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tuez l'un d'entre eux. J'aimerais vous observer et admirer. Dois-je interpréter votre silence comme un assentiment? Alors vous connaissez notre position. Tuez et nous serons quittes. Un seul petit coup de couteau discret et votre dette pourrait être épongée. Alors, Intrépide, Alia Quintus. J'ignore qui vous êtes, mais à l'évidence, nous sommes partis du mauvais pied. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois qu'on m'enferme dans un sac pour me traîner ailleurs. Ah, Vacha à votre service. Vacha le receleur, le tueur. Le souilleur de jeune fille. N'avez-vous jamais entendu parler de moi? Peut-être que je demanderai à mes hommes de graver mon nom sur votre cadavre, à titre de rappel. Je vais vous dire, si vous me laissez partir. Je vous entends je parler. Vous promets que mes associés je vous en vont prie, laissez-moi sortir. Comme un animal, je ne vous ai rien fait. Je m'appelle vie. Fulltime. Je suis un soldat, enfin un mercenaire plutôt. Vous savez, une épée à vendre. J'ai toujours vécu en bord de ciel. C'est tout. Je suis personne. Vous pourriez pas me laisser partir? Oh, enlevez-moi ça! Je vous en prie. Qui je suis ne vous regarde en rien. Si vous avez l'intention de me tuer, faites-le. Mara, mes témoins, si je n'avais pas cette cagoule sur la tête, je vous cracherais au visage. Pardon? Quel genre de question est-ce là? Je suis une femme qui élève seule ses 6 enfants au bord de ciel. Je n'ai pas la patience d'être gentille. Est-ce que certains me regardent de haut et est-ce que j'ai des ennemis? Oh, ça oui. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces inepties. J'ai une maison à... Allez. Tenir et des enfants à nourrir. Laissez-moi partir. C'est toi. Tu vendais des jeunes filles. Les autres. Je m'en fous. C'est des nordiques. Ce fourbe de Khajiit.
Il a des ennemis, évidemment. Ce n'est pas étonnant que vous l'ayez choisi. Oh, non, non, non. Ne comprenez-vous pas. La culpabilité, l'innocence, le bien, le mal, ce n'est pas le propos. Ce qui compte, c'est que je vous ai ordonné de tuer quelqu'un et que vous avez obéi. Je sais pas où est son bras. Bien sûr. Vous avez remboursé votre dette en totalité. Voici la clé de la cabane. Mais pourquoi s'arrêter là? Je vous propose de poursuivre notre collaboration. J'aimerais vous inviter officiellement à rejoindre ma famille, la Confrérie Noire. Dans les contrées au sud-ouest de Bordeciel, dans la Pinède, vous trouverez l'entrée de notre sanctuaire. Elle est à quelques pas de la route, à l'abri des regards. Lorsque la Porte Noire vous interrogera, répondez par la phrase suivante. Le silence, mon frère. On vous fera entrer, et votre nouvelle vie commencera. Je vous verrai à la maison. Il connaît ce coffre. Oh, il est vide. Les beaux grands sacs. La farine. Il y avait quoi sur lui? Oh, capuchon d'exécution, bien. Ah, mais c'est un casier en plus. Je me disais bien. Je vous entends parler. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je ne vous ai rien fait. Dans la commode, il y a quoi? Rien. Et bon, on va ressortir de la cabane. Côté 10. Ok, donc là j'ai effectué ça. Ce qui serait intéressant, ouais, c'est venir à Farenc. Et des ennemis à proximité. Ça a l'air de faire ses dégâts, mais je sais pas si c'est réellement des gros dégâts en fait. Là, je trouve des ennemis. Ah oui, le renard des neiges n'a pas fait long feu. On va tester sur les crânes. Ça fait sacrément mal quand même. On va tester sur les orques, magie pleine.
Ok, ouais, le sang fait mal. Donc pour les assassinats, ça sera top. Ça sera tip top pour les assassinats. Hop, petite sauvegarde rapide. On a bien avancé. Oh. Alors, et maintenant, c'est pas rien. Hein. Invocation de Saint Dour et Ambre plus. Parchemin de Viseduct. Livre de sort, conjugation de Saint Doré. Ah, ça c'est intéressant. Torah d'insectes, livre abîmé, ombre. Deux nouveaux sorts de conjuration. Ça c'est bien, on va essayer de les faire plus tard. Folie, c'est quoi? C'est une plante? Qu'est-ce que la livre? Ah, il y avait une ombre. Je pense pas que ce soit un ingrédient comme ça. Je ferai mes recherches auprès d'une bibliothèque. Bon, maintenant que je suis loin, hop, on va se taper à la ferme parce que hop, pas non plus la mort, c'est pas très très loin. Là il faut que j'aille à Épierville. Alors pourquoi on va aller à Épierville? Parce que j'ai une quête là-bas à faire et c'est là que se trouve la guilde des assassins. Où souhaitez-vous aller? Remontez et nous partirons. Allez, par là. Alors est-ce que je vais changer ma tenue? Non, parce que j'ai besoin de magie. Peut-être des bottes, ouais, les bottes, les gants, peut-être que je changerai à ce moment-là, ces trucs. Avez-vous vu un chien dehors? Ah, eh bien, le forgeron offre une récompense pour un chien qu'il a aperçu sur la route. J'espérais que vous l'aviez vu. Je crois que je vais rester de garde. Ne vous attirez pas d'ennuis tant que vous serez là. Pas de soucis, je vais voir le Jarl. Avant ça, alors avancer les quelle heure? 10h du matin. Ça y est, clé. Tout doit être ouvert. Forgeron. On va faire un petit tour. Bonjour. Avez-vous vu un chien sur la route? Ah, c'est Lloyd, une c'est belle lui. Bête puissante qui rôde près de la ville. J'ai demandé au garde de la. Si vous acceptiez de me le rapporter, je vous donnerai de la viande fraîche pour l'attirer sur la route. Bien. Il y a de l'or à la clé si vous réussissez. Voilà la viande. Surveillez la route juste en dehors de la ville. L'acier, c'est bien. Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Alors, déjà, je vais vendre. Flèche d'os, non. Alors là, résistance au... Ouh, il a plus de sous. Alors, qu'est-ce que tu as dans le divers qui pourrait être intéressant pour moi? Rien. Oh,
tenue. Sans d'illusion, les comportés. Oh, après j'aime bien les. Là. Et au niveau des armes. Ah, les trucs spirituels, ça c'est intéressant. J'ai été le garde personnel de Dengir pendant des années. Plus d'une fois, j'ai risqué ma vie pour lui. Pourquoi le ferais-je? Pour de l'argent? Pour un serment? Non. Parce que c'était un homme bien et un véritable ami. Pour un vrai nordique, la loyauté et l'honneur passent avant tout. Seulement à l'intérieur des murs, la majeure partie de la châtellerie des Pervin est à l'état sauvage. Et les ennuis n'y manquent pas. Venez me voir à la forge. Vous avez besoin d'armes, bien sûr. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans les vieux forts de Fayez. J'ai presque envie de me joindre à eux. Ah oui, c'est vrai qu'il veut la garde de l'aube aussi. Que fait une poule mouillée comme vous ici? Mais retournez chez votre mère. Voilà! Un meurtre a été commis à Fayez. On a tué une vieille dame qui dirigeait un orphelinat. Les pauvres enfants doivent avoir le cœur brisé. Oh, j'en doute. Je pense qu'ils sont plutôt heureux. Alors, elle est où l'auberge? C'est ici l'auberge? Parlez-y. Une bonne boisson forte réchauffera l'atmosphère. Oh, oui. L'idée de vous accompagner dans vos aventures m'a traversé l'esprit. Mais je ne peux pas laisser Val. Ah, dommage. Auberge meurt de soif. Quel drôle de nom. Bienvenue. J'ai fui les combats en Cyrodiil, et voilà qu'il me rattrape en bord de ciel. Tenez, regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Occupons-nous de votre appétit. D'accord? Alors... J'ai ça sur moi. Ah ouais, d'accord. Je vais vendre le bœuf, le truc de mammouth. Si vous entendez le moindre ragot en ville, transmettez-le-moi. Que fait une poule mouillée comme vous ici? Mais retourne. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettre à pleurer? Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. À l'aide, quelqu'un! Au secours! Mais faites quelque chose! T'es sérieux là? Je n'arrête pas ici. Oh merde! Que fait une poule mouillée comme vous ici? Mais retournez chez votre mère! Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi! À l'aide, quelqu'un! Et tu sais quoi? Ah!
Oh, il va... C'est pas assez puissant par rapport à la vie que je récupère. Que fait une poule mouillée comme vous ici? Mais retournez chez votre mère. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Alors... Attrapez-les! Au secours! Oh, je suis blessé. Vous êtes un homme. Voilà. Vous avez gagné. J'arrête. Les premières que j'ai appris. Ragnar le Rouge. D'accord. Finissons-en. On m'a appris. Tu veux dire j'arrête, hein? Espèce de naze. Ça consomme trop de magie pour ce que ça me soigne, c'est dommage. Surtout cet endroit si est d'un ennui mortel. Vous risqueriez bien de ne pas vous en remettre. Ah oui, vous voulez voir le Jarl d'abord. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre, en main propre uniquement. Voyons cela. C'est une nouvelle dame qui s'occupe de l'orphelinat de Faïez. Elle m'a demandé de faire passer ses avis à tous les gens que je croise. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Essayez de ne pas juger Pervin trop sévèrement. Pardon, mais il faut vraiment que j'y aille. Ah, du coup, maintenant, hop, on peut adopter, je crois. Du coup, je vais aller voir le Jarl. Je veux dire que la ville m'a mal accueilli. J'ai hâte de tuer un autre. Parce que franchement... C'est bien ma veine. Oui, que voulez-vous? Ah, c'est vous. Oui, c'est moi. L'archimage. Oui. Eh bien, voyons si ce qu'on dit sur vous est vrai. Dans ma châtellerie se trouve un groupe de bandits avec lequel j'ai peut-être effectué quelques transactions discrètes. La part qu'ils me reversaient était honorable au début, mais il est temps de faire le ménage. Allez vous en occuper. Bien. Exécutez ces bandits jusqu'au dernier. N'en épargnez aucun. Je suis le chambellan. Ok. Sidger agit parfois un peu trop rapidement. Mais il nous écoute, elle va. Pour Epervin comme pour moi, le Jarl offre une prime à qui tuera c'est un toi. Géant. Jetez un œil à ce décret pour de plus en plus. Oui, précédent. Et il faut que tu répondes à Seb, il a posé une question sur Messenger. Oui. Je ne peux pas vraiment vous aider. Je ne suis que la servante de Denger. 4 heures de l'après-midi. Allez, on va dans notre nouvelle maison. Qui est par ici. Et on va s'arrêter là pour l'épisode 21. Oui. Le chant de la vie. Bienvenue chez vous. Mon frère. Et nous vous y voilà. Et vous savez quoi, on va s'arrêter ici. Sur ce magnifique, sublime décor. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de...
l'archimage assassin. Allez, et plus, ciao.